Nous allons faire 600 mouvements à partir des 6 premiers mouvements de base. Premier mouvement, démonstration. Je frappe droit, à droite et à gauche. Et je reviens. On en fait 100. Alors on fait rapide les 50 derniers et donc lent, relativement lent, les 50 premiers, mais cette première série de 100 mouvements, vous faites à votre rythme. Prêt ? Go ! N'oubliez pas, position Kibadachi, buste droit. Il ne s'agit pas de frapper fort, mais de faire le mouvement entier jusqu'au bout. Vous faites le mouvement, vous ramenez. Vous faites le mouvement, vous ramenez à chaque fois. Alors, repos. Détendez-vous. Prêt ? Démonstration. Haut. Haut. Et vous ramenez à chaque fois. Kibadachi. Juste droit. Vous faites des séries 50 à votre rythme, mais plutôt lent. 50 à votre rythme, plutôt rapide. Ou alors, suivez-moi. Prêt ? Go ! Prenez votre souffle. Alors vous avez remarqué, lorsque je reprends mon souffle,
J'inspire, j'expire, je chasse, j'inspire, j'expire, je chasse. Et lorsque mon souffle est repris, donc j'inspire et je ramène directement en bas en suivant la ligne des abdominaux. Une fois à deux fois. Ensuite détente pour relâcher un peu les muscles de notre corps. Toujours position Kibadachi mais plutôt détendue. Juste droit, c'est important. Ensuite, lorsque vous allez faire les mouvements, vous abaissez un peu la position Kibadachi et vous suivez le rythme de votre corps. Démonstration, en bas, on ramène. Sans 50 lents à votre rythme et 50 plutôt rapides à votre rythme aussi. Prêt? Go! Démonstration, quatrième série de mouvements. Donc on frappe à l'horizontale et on ramène à chaque fois. Prêt? 50 lents à votre rythme et 50 rapides à votre rythme. Go!
Lorsque vous descendez bas, position Kibadachi, vous pouvez arriver, vous avez mal au genou. Dans ce cas, vous remontez un petit peu la position, ou alors vous détendez. La détendez un petit peu. Et si la position Kibadachi vous fait mal, descendez un petit peu moins bas. Ne pliez pas trop les jambes, de manière à ce que les genoux n'aillent pas trop sur l'avant. Ils ne forcent pas trop par rapport à l'axe de l'articulation. Sinon, vous faites trop travailler les ligaments. Les ligaments, c'est ce qui relie les os centraux. Donc, on a fait 400 mouvements. Il en reste 200. Et ensuite, nous procéderons à un petit bilan. Et nous recommencerons des séries, mais cette fois-ci, lentes. Puis, nous terminerons les séries par des séries rapide, puis enfin puissante. Démonstration. Donc ça ressemble à l'uppercut des boxeurs. Prêt? 50 à votre rythme et 50 plus rapide, mais toujours à votre rythme. Go! Nous avons fait 500, 600, alors dernier mouvement de la série de 6, nous allons faire 100, prêt, alors démonstration, vous mettez sous l'aisselle, vous tendez la main opposée à celle qui va frapper, vous frappez en hurricane et vous faites pareil de l'autre côté, vous tendez la main opposée à celle qui va frapper, en direction de l'adversaire, la main qui va frapper vous la mettez bien sous l'aisselle et vous faites glisser de manière à donner un hurricane avec un impact maximal en théorie, mais là il s'agit d'un échauffement. Donc pas besoin de frapper fort. Voilà, donc 50 lents mais à votre rythme, 50 rapides mais à votre rythme. Go!
vous sentez-vous? Plutôt bien? Plutôt essoufflé? Comment a réagi votre corps? Aviez-vous des étourdissements? Étiez-vous mal à l'aise? À bout de souffle? Bien, si vous avez l'un de ces symptômes, je vous conseille de voir déjà les autres vidéos où je vous donne quelques conseils, mais ensuite peut-être d'adapter ces mouvements à votre rythme, à votre corps. Donc nous allons maintenant faire des mouvements plus lents. Alors, nous n'allons pas faire 100, mais nous allons faire 50. Ça veut dire 25 pour chaque bras. Et nous allons faire ces mouvements lents. Alors 25 pour chaque bras, on va pas... Oui, 25 pour chaque bras, c'est bien. Pas trop exagéré non plus. Et donc pour les 6 séries de mouvements. Alors démonstration pour l'ensemble des mouvements, mais ensuite lorsque nous allons lancer les mouvements, je ne ferai plus de démonstration. Je ferai simplement la reprise du souffle. Vous allez comprendre que lorsque je fais ce mouvement deux fois, c'est qu'on est prêt à repartir, enfin vous détendez un petit peu votre corps, et on est prêt à repartir. Alors je vous dirai, prêt, ou go. Alors, prêt, démonstration. Voilà, ça c'est un mouvement lent. Donc on en fait 25 pour chaque bras. Alors le signal, ça peut être quand, lorsque je mets mes deux poings sur le côté. Go! Prêt, démonstration. Go.
Prêt? Démonstration. Go! Prêt? Démonstration. Go. Prêt? Démonstration.
Go. Prêt ? Démonstration. Go. On a fait la série 6 x 25. Alors 25 total en fait. Alors j'ai pas fait
25 et 25 pour chaque bras. On a compté jusqu'à 25 mouvements. Alors, nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci, rapide. Alors, rapide, ça ne veut pas dire que la frappe est puissante, mais ça veut dire que vous faites vos mouvements rapidement, sans chercher à donner un impact fort. Donc là, vous n'êtes plus dans votre rythme, mais dans mon rythme. Alors, si vous préférez, vous gardez votre rythme, évidemment, selon votre corps. Suivez ce que votre corps vous dicte. Et si vous voulez, vous suivez mon rythme. Si vous pouvez aller plus vite, c'est encore mieux. Prêt ? Alors, démonstration, j'en fais deux rapides. Voilà. Donc vous faites rapide, on en fait 25 au total. Rapide. Go! Voilà, reprenez votre souffle. Alors là, je vous conseille de ne pas chercher à récupérer votre souffle, mais plutôt à rester sur la dynamique. En fait. Nous allons faire 25, la même chose. 25, donc ça fera 50 pour chaque mouvement. Prêt ? Go ! Détendez-vous un peu. Voilà, donc première série, on a fait 50, donc 2 fois 25, pour le mouvement qui est en fait un oisuki droit. Même chose, mais en haut. Alors, bon, je ne vais pas dire go, j'arrête de dire go, hein, je fais au feeling. Donc, c'est deux mouvements, mais rapides. Prêt ? Go! Même chose, 25, rapide, prêt, en haut. Go! En bas maintenant. Démonstration. 1, 2, et on en fait 25 rapides. Kibadachi, buste droit, rapide. Pas forcément puissant, mais rapide. Prêt ? Go !
Deuxième série de 25, en bas, rapide. Aizuki bas, rapide. Prêt? Go! Même chose, Aizuki bas rapide. Prêt? Go! Alors, 2 fois 25 pour ce mouvement. Donc on frappe horizontalement. Alors 25 rapides sans chercher à faire puissant. Prêt? Go! Même chose, frappe horizontale, rapide, 25 fois. Prêt? Go! Maintenant, 2 fois 25, uppercut, rapide. Alors 25 d'abord, on reprend le souffle un peu, puis 25 à nouveau rapide. Prêt? Go! Prêt, 25, go! Plutôt 26, vous avez compris, que ce soit pair. Alors, dernière série, 2 fois 25, rapide, frappe sur le côté. Alors c'est rapide, mais les mouvements sont amples. Il faut faire rapide, mais essayer de bien faire le mouvement, qui est assez difficile à exécuter en rapidité. Prêt? Go!
Prêt? Go! Alors ce dernier mouvement fait un peu tourner la tête, étant donné qu'on doit tourner la tête à 180 degrés à chaque fois. Alors maintenant, nouvelle série de 6 mouvements. Alors nous allons faire 25 et 25 pour chaque mouvement, mais on doit avoir un impact puissant. Alors, ça peut être lent et puissant. Alors on va essayer 25 lent et mais puissant à l'impact. Ça veut dire lorsque vous frappez, lorsque vous tournez, au moment où vous tournez la main, l'impact doit être puissant, c'est-à-dire efficace. Alors, pas forcément rapide, mais on va essayer en fait un petit peu lent, un petit peu rapide, ou tâtonner un petit peu. Le principal, je répète, c'est que l'impact soit puissant. Alors, évidemment, la puissance est relative. Prêt? Alors, je fais une démonstration. Voilà. Prêt? Alors, attendez, j'ai oublié de dire go. Prêt? Go! Oizuki droit, puissant. Prêt? Go! Alors ensuite, Oizuki haut, puissant. On en fait 25. Pas forcément rapide, mais puissant. Alors essayez rapide, enfin, plutôt lent. Lent, puissant, on va dire. Prêt? Go!
25, Oisuki haut, relativement long mais puissant à l'impact. Prêt? Go! Attendez-vous un peu. Préparez-vous pour Oisuki bas, relativement lent mais impact puissant. Démonstration. Impact puissant, impact puissant. On va essayer de souffler à l'impact. À la limite, si vous pouvez, vous poussez le kiaï. Kiaï, c'est-à-dire le cri que vous poussez lorsque l'impact est maximal. Prêt? Go! Oisuki bas, impact puissant, mouvement relativement long. Prêt? Go! Alors 25 plus 25, mouvements horizontaux, démonstration. Alors lorsqu'on fait assez rapide avec un impact puissant, on n'a pas forcément le temps de ramener à chaque fois le point, donc c'est pas grave. Le principal c'est que l'impact soit puissant et le mouvement relativement bien fait, de manière à ne pas abîmer les articulations. Alors, détendez-vous bien comme vous pouvez. Et on y va. Prêt? Go! Prêt? Go!
Ensuite, Hurricane. Non, pas Hurricane. Hypercute. Voilà, donc 25. Puissant, relativement long. Prêt? Go! Prêt? Go! Vous, dernière série 2x25 Hurricane. Alors se moucher et cracher font partie du métabolisme. Donc il faut savoir cracher intelligemment et se moucher intelligemment. Le nez et la bouche en fait sont des endroits où l'air doit circuler. Il ne faut pas qu'il y ait d'encombrement. Alors dernière série. Ensuite, nous ferons le bilan. Alors, lent, relativement lent, mais puissant à la fois. Donc, Hurricane, puissant, puissant. Prêt? Go! Prêt, 25 derniers, Hurricane, puissant à l'impact et relativement lent. Je répète à chaque fois. Prêt, go! Alors, bon, nous avons fait quelques séries. Alors, si je fais le bilan, c'est votre bilan en fait. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez mal aux articulations, mal aux muscles? Vous êtes-vous fait une déchirure musculaire? Avez-vous des articulations qui sont douloureuses? Donc, au niveau des ligaments, est-ce que vous auriez un problème
ou eu un problème au cours de cet effort, de ces efforts, à vous de voir. Je vous laisse juger de votre corps. Le principal, lorsque vous faites tous ces mouvements, c'est de vous sentir bien. Alors juste un petit rappel, c'est important à chaque fois que vous faites un mouvement, que ça corresponde à soit un souffle, soit à une inspiration. Soit vous inspirez, soit vous expirez. Alors en général, à l'impact d'un mouvement, c'est mieux de souffler. La force du souffle, en fait, appuie l'impact. Ensuite, pourquoi bien respirer ? Inspirer, expirer, simplement, c'est en relation avec l'oxygène et le dioxyde de carbone. Il faut faire entrer un maximum d'oxygène et faire ressortir un maximum de dioxyde de carbone. D'où l'intérêt du souffle qui est très important. Il faut que l'on s'approche dans ces mouvements de ce que l'on appelle les mouvements aérobies. Mais lorsqu'on fait un impact ou un mouvement très violent, c'est plutôt un mouvement que l'on appelle anaérobie. Nous n'allons pas expliquer aujourd'hui, nous verrons ça dans une autre vidéo. Cette séance est terminée, ou presque. Nous allons maintenant nous détendre un petit peu en faisant une série de 25 inspirations-expirations, rythme lent ou du moins à votre rythme. Prêt ? Go ! Pas fait 25, mais ça ira pour aujourd'hui. Petite surprise finale, je vais vous demander de faire cette série de mouvements obligatoires. Oui, trouvez un coin, vous allez faire des pompes et vous allez en faire 20. Une fois que vous aurez terminé ces 20 pompes, vous ferez des mouvements de gainage en gardant la position comme si vous alliez faire des pompes. Démonstration. Alors, important de bien trouver son souffle. Alors, lorsque je mets en position, j'inspire et puis ensuite j'expire au rythme des mouvements. Donc, j'en fais un et je vous montre pour le gainage. En fait, les mouvements de pompe, je les fais par deux, qui correspondent à inspiration, expiration. Et pour le gainage, à la fin, lorsqu'on aura fait nos 20 pompes, il s'agit de ramener le genou sur le coude opposé, de cette façon. Voilà. Prêt ? Alors, détendez-vous, conditionnez-vous pour les 20 pompes. Positionnez-vous. Prêt ? Alors, à votre rythme, pas forcément rapide, mais il faut faire les 20 et toucher le torse ou la poitrine sur, si c'est un bout de bois, sur le bois. Sinon, vous descendez au maximum. Prêt ? Go !
Alors évidemment, il faut reprendre son souffle. La séance est maintenant terminée. Vous avez aimé, pouce vers le haut. Vous n'avez pas aimé, pouce vers le bas. Je vous dis à très bientôt. Pouce !